Donc Laetitia conserve la tête après 6 épreuves. C'est une révélation, en tout cas dans ces championnats de France, puisque Élodie Lussac est remise en cause par ses plus jeunes concurrentes de l'équipe de France. Voici l'Orgélie de Marseille qui a un tempérament plus discret, moins explosive, un peu plus introvertie. Voilà, mais les mêmes acrobaties avec une triple vrille ici. Termine le concours féminin au sol. Voilà, Laure Angélie, dernière concurrente, mais on va revenir sur ce que l'on peut considérer aujourd'hui après ce très beau ralenti de Jean-Maurice Hogg et l'exécution pour la petite Marseillaise Laure Angélie. On va revenir donc en direct avec ce